L'accompagnement de Grigny a mis le point sur certains sujets sur lesquels on a pu prendre conscience qu'il y avait vraiment là des actions et des efforts à faire. Alterway, nous sommes une ESN spécialisée dans le cloud. On a rejoint le groupe Smile en début d'année et nous portons toute l'offre infrastructure cloud du groupe Smile. Je suis aperçue en fait que l'empreinte environnementale du numérique, elle est massivement concentrée sur le matériel et les infrastructures. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on agisse également et qu'on fasse notre part du chemin pour réduire l'empreinte environnementale au sens large. On a fait appel à Grigny parce que nous, on n'est pas un spécialiste de la mesure et c'est un sujet qui est un peu complexe. Il y a une méthodologie, il y a des bases de données et nous, évidemment, ce n'est pas notre métier. Et c'est comme ça qu'on a engagé cette aventure avec Grigny. On a récupéré toutes les données de l'entreprise, puis après on a utilisé en fait les feuilles de calcul de chez Grigny. Et à la fin de tout ça, on a eu aussi un ensemble de recommandations et des pistes pour pouvoir commencer à travailler, à améliorer en fait nos émissions carbone. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait autant d'émissions carbone qui étaient liées à la consommation électrique que sur l'amortissement des équipements. Donc en fait, on s'est dit que plus on allait amortir longtemps nos équipements, on allait faire déjà beaucoup d'économies par ce moyen-là. Et puis après, on a vraiment massifié les choses et tiré le plus parti en fait des machines qui tournent et pas laisser des machines vides et des choses comme ça. Il y a une grande probabilité que Grigny nous accompagne sur d'autres choses. Ils nous ont apporté un dispositif qui nous permet d'avoir une certaine autonomie déjà sur le périmètre qu'on souhaitait mesurer et valoriser. Mais il y a, je pense, plein d'autres choses à faire ensemble.